Salut à tous, ici Tanguy pour un épisode 3 de Half-Life 2, épisode 1. Alors on s'était quitté sur le truc qu'on avait fait avec le réacteur. Et ici on avait un... Oh putain, ça va chier, je le sens. Alors, si je dois avancer comme ça, ça va chier. Que ça soit retourné dedans. Ah merde. Bon. Alors du coup, je l'ai fait bugger car il aurait pas. Enfin, la boule a explosé à l'intérieur. Oui, donc je vais charger. C'est pas grave. Peut-être là. Ah ça va, au moins je devrais pas m'en faire sur ça. Voilà, elle a pas sauté dedans. Tout le monde est mourux. Alors on a le noyau, voilà, il a l'air de s'améliorer. Non, je dois passer par là ou t'es de ma gueule. Je veux passer par là. Oh putain, vie de merde. J'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi j'ai envie, mais j'ai envie. Oh putain, oh putain, ah d'accord. Ouais, je vais rien dire. Fallait que je me fasse absorber. Oh bonjour. On active la deuxième machine. Il y en a combien des trucs comme ça? Un ascenseur. Ça c'est toujours mal. Putain. Quoi? Cassé. Putain. Il fait Robolam là, vous déconnez peut-être un peu. Descendre là, c'est là d'où je viens. Elle doit sûrement descendre là, génial, ça recommence, c'est reparti pour un tour de manœuvre. Je suis vraiment confiant. Je maîtrise ce que je fais, tout ça. Oh,
ça recommence. Putain, c'est que je les vois pas arriver en plus ici. Quoique, remarque, ici le truc est pas activé, donc j'ai peut-être un truc à activer ici. Je dois y aller au pif. Oh putain. Non, non, je vais vérifier en haut. Toujours vérifier. Je passe dans le cam. Malade. Oh, c'est par là que je dois passer. Merde. Je pense que ouais, si je fais ça. Putain, c'est génial ce truc. Ok, bon, bah, je vais sauvegarder. Je vais aussi regarder l'heure un coup. Ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Putain, c'est génial ça comme boucle. C'est pas top. À foncer dans le tas, c'était suffisant. Re-sauvegarder parce que putain. Fallait foncer dans le tas. Connerie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a pété là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je dois brancher quelque chose ou je dois mettre des boules bien sûr. Ouais, c'est ça. Je suis posé comme un coup. Ah ok. Bah, il est déjà plus beau comme ça. Oh putain, je m'éloigne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute ma combi a foutu le camp? Ah, il a l'air plus gentil le cœur comme ça. Pourquoi toute ma combi a foutu le camp comme ça? T'as vu comment elle s'est vidée, putain? Ah, salut Alex. Bon, là, il y a ça. D'accord. Gordon, ça y est! Le système d'encerclement est en place. Ça va pas durer longtemps, mais on va gagner du temps. Il a déjà l'air de devenir plus gros. J'ai fouillé dans les données. Il voulait amorcer une réaction en chaîne. La destruction de la citadelle n'est qu'un effet secondaire. Maintenant qu'on a détruit le réacteur de Breen, c'est leur seul moyen d'envoyer une transmission chez eux. Je ne sais pas ce que contient la transmission, mais c'est si important qu'ils veulent sacrifier la citadelle pour l'envoyer. Il faut tout de suite l'envoyer à mon père et au docteur Kleiner. J'ai téléchargé une copie. Je sais pas ce que c'est, mais je crains que ce soit de mauvaises nouvelles.
Putain, je me l'ai dit. C'est Judith. Jetez un œil. Je suis presque sûre d'avoir trouvé l'emplacement du projet. C'est difficile d'estimer ce qui a survécu ou s'il reste quelque chose qui pourrait compromettre notre travail. Si le cartel le découvrait, il faudra regarder cela plus près, bien sûr. Mais je serai capable de vous en dire plus d'ici quelques heures. Si le site est là où nous pensons, il doit se trouver à peu près... Je vais abréger. On nous a peut-être repérés. Peut-être, ouais. Où peut-elle bien être ? Oh putain. Oh, des bugs de texture, c'est sympa ça. Elle a de gros problèmes. Il faut amener ça et la transmission à papa. Il saura quoi en faire. J'ai copié la transmission. Et elle est là. Maintenant, on fiche le camp. Oh oh. Je crois qu'ils l'ont détecté. Merde. J'ai trouvé un ascenseur. C'est par là. Allez. Ah, j'ai aussi paumé mon super gravity gun, ça fait un peu chier. Donc ici on va sortir de la citadelle. On va essayer. Ça fait 10 minutes qu'on est au sol. On va prendre le train, ok. Hey, le pistolet est redevenu normal. Dommage, c'était bien tant que ça durait. Putain, j'ai froid, je sais pas ce que j'ai. Chargement, je... ouais. Ça tanque. Moi, en attendant, je peux plus me défendre, putain. Non, c'était pas pour péter la vitre. Perfect. Aïe. Emmenez-le-moi, je vais le convertir. Ah bah voilà, comme elle l'a dit. J'en fais quoi? C'est la meilleure se battre pour moi. Voilà. La voie est libre. Voilà le train. Montons. Attends. Allez, on monte. Putain, je me mets dans le train. Oh putain, ouais, je suis prêt. Je monte dans le train, je monte dans le train. Ouais, on a filé en beauté. Je sais pas ce qu'il y a sur cette copie, mais le fait qu'on l'ait leur plaît pas beaucoup. Vous savez, finalement, ce n'est pas... Oh non. C'est rempli de stalkers. Génial. Maudit cartel. Voilà ce qui arrive si vous résistez. Ou si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. J'espère que vous avez oublié qui vous étiez. Ok. Voyons voir où va ce train.
suis vraiment pas rassuré à côté de ces saloperies. Avec de la chance, on aurait quitté la ville avant qu'il ne soit trop tard. Dieu merci, nous ne sommes pas à pied. J'espère que le pire est derrière nous. Ils me perturbent vraiment, les gueules. Ah. Vous nous avez encore sauvé la vie. Je me mets pas là sur les gars. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Oula. Mon Dieu ! Oula. J'aurais peut-être pas dû bouger. Oh putain. Oh putain. Oh putain, chat. Gordon, à l'aide! S'il vous plaît! À l'aide! Je les aime pas, ça c'est le plus, les gars. Ah ouais, tu vois. Mais Gordon! On m'écrase! Ça bouge! C'est ça! Tirez! Mais il est où le plafond? Il est où le sol? Oh ta gueule! Essayez de dépasser avec le pistolet! Chargement. Saloperie de Stalker. Je savais qu'il allait se passer un seul truc. Les bas-fonds. Une minute. Je dois reprendre mon souffle. Ah ouais, t'as eu un petit choc hein, quand même. Ok. Eh bien, ça risque d'être plus dur que ce que je pensais. On est tous dans la même galère maintenant. Il faut marcher jusqu'à la gare. Allons vers la surface. Attention, j'entends les tourelles. Ah d'accord. Il y en a d'autres ici. Et toi, elle tire pas sur les zombies. Oh non, y a plus de balles. Ah d'accord, y a plus de balles. En fait, c'est une chance. Ah ouais. Je ne vois rien. Je vois rien sans votre lampe torche. Il faut ouvrir cette porte. Mince, un verrou électrique. Comment on va ouvrir ça? Faut trouver le générateur. Ouais, je m'y colle. Hey, une conduite d'air. Ah merde. Qui est mort et qui est vivant. Oh putain, espace 12, c'est mieux. Oh putain, non.
Et un pistolet, allez. Soyons fous. Vous avez même trouvé un pistolet ? Et un shotgun. Donc c'est sur cet endroit bien glauque qu'on va se quitter. J'essaye de regarder ce qui m'attend, ça promet de... Je peux regarder dans les casiers aussi. Ah. Donc c'était Tanguy, au revoir et bonne journée. Ah merde, j'ai encore oublié, tu sais. Et salut.